Esmel Belmarie. Monsieur le Président, l'épreuve de Mohamed Fahmy continue. Il vient d'apprendre que son nouveau procès a été retardé. La possibilité de retourner en prison pèse lourdement sur lui. Il a déjà passé plus de 400 jours en prison dans des conditions exécrables. Pourquoi le premier ministre ne peut-il pas ramasser le téléphone et appeler le président El-Sisi pour demander que M. Fahmy soit retourné au Canada le plus tôt possible? Madame la ministre de l'État des Affaires consulaires. Mr. Speaker, Mr. Fahmy is receiving consular services, so we are ensuring his well-being. Instead of, for the member, writing ill-informed letters to the editor, I think he should take the time to understand that our government's been very clear at all levels. As me, the minister responsible for consular affairs, has assured this House that our government will continue to raise the case. Canada advocates for the same treatment of Mr. Fahmy as other foreign nationals have received.